Alors, d'abord, je tiens à dire que je n'ai rien fait d'illégal et je n'ai cherché aucun avantage fiscal à l'occasion de ces investissements. J'ai une société d'investissement qui a fait plusieurs opérations en Chine. Dans le cas de deux d'entre elles, j'ai des partenaires qui ont souhaité que l'investissement transite par une société aux Caïmans. Ce n'était pas mon choix. Jean-Jacques Ogier, est-ce que vous êtes conscient que ces révélations sur vos activités puissent gêner aujourd'hui le président de la République? En tout cas, je le constate depuis ce matin et j'en suis stupéfait. Parce que, si vous voulez, ces opérations dont vous parlez n'ont aucun lien d'aucune sorte avec le président de la République, ne créent aucune interférence avec sa campagne. Aucun lien avec le Parti socialiste? Aucun lien, bien entendu, avec le Parti socialiste. Et vous êtes prêt à jouer la transparence sur vos comptes? Et je suis tout à fait prêt, bien entendu, et donc je le dis, mes comptes seront présentés à toutes les autorités publiques qui en feront la demande. Ces comptes sont d'ailleurs très largement publics déjà, mais ils seront ouverts, mes comptes personnels aussi, à toute autorité qui m'en fera la demande.